Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je vais parler tout simplement de l'armée française en Côte d'Ivoire. Parce que là, récemment, j'ai vu un article que l'armée française va dans le nord de la Côte d'Ivoire. Donc, bon. Vous savez que en Côte d'Ivoire, il y a eu du génocide, hein, du génocide dans les années 2000, à partir de 2000, hein, il y a eu du génocide. Et le problème, c'est que cette histoire, on n'en parle pas beaucoup, on en parle, mais comme ils veulent, au moment qu'ils en veulent en parler. Le problème, le génocide, c'est sous soi-disant les doulas, hein, parce qu'ils connaissent rien, ils comprennent rien, soi-disant. Hein. Le problème, c'est qu'il y a quand même des personnes qui sont très très pointues dans le domaine politique africaine. Et donc, tout simplement, le problème, il n'est pas là, c'est que tout simplement, voilà pourquoi je parlais de l'armée française. Parce que sur l'armée française, c'est que tout simplement. L'armée française a des ordres. Des ordres de l'Élysée. Voilà, on va le dire ça devant. Ils ont les ordres. Mais un truc que je ne comprends pas dans l'armée française aussi, dans l'armée, quelle qu'elle soit, pourquoi obéir aux ordres et qu'on sait qu'il n'y a rien? Qu'on va juste tuer des gens innocents dans cette histoire. Du génocide. En gros. Ça va provoquer, il y a l'ONU qui est là-bas, qui fout le bordel aussi, bien sûr l'ONU il est là pour soi-disant faire la sécurité sociale, comme on dit en rigolant, mais bon, en gros ils font là pour faire la sécurité, il n'y a pas de sécurité du tout, ils font ce qu'ils veulent, en ce moment c'est une galère totale qu'est-ce qui se passe là-bas, c'est vrai que ça fait un bon moment que je suis pas allé, mais normalement si tout va bien, je partirai peut-être l'année prochaine. Si tout va bien, vers les débuts. Je ferai peut-être une vidéo là-bas. Ah, je ferai peut-être une vidéo là-bas. Parce qu'il faut dire la vérité. Hein. J'emmène l'ordinateur à ma femme, j'essaie de me connecter. Bref, bon bref, on va aller carrément dans l'histoire parce que c'est plus important. Donc voilà. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a un gros problème avec l'armée française, l'ONU, qui foutent le bordel. Alors, bien sûr, l'armée française a les ordres. Tout simplement les gros ordres de l'Élysée pour faire un deuxième génocide, parce qu'à mon avis ça va être ça. Ils vont dire que c'est pour aller au Mali, mais bon, le nord de la Côte d'Ivoire, on va prendre une belle claque encore. Une belle claque dans le nord de la Côte d'Ivoire encore. Donc, ce qui m'énerve, c'est qu'ils envoient de l'armée, de l'artillerie. En gros, du gros, du blindé, des chiens blindés, du gros blindé, pour faire quoi? On sait même pas pourquoi faire. Alors moi j'ai vu l'article, je trouve ça franchement un truc stupide, parce que les pays sont, on dit qu'ils sont indépendants. Indépendant de quoi exactement? Indépendant de la France? Non. Là-dessus. Vraiment là-dessus. Ils sont pas indépendants de la France. Ils sont pas indépendants de qui que ce soit. Il y a des pays qui se débrouillent même mieux. Même mieux. Et les lusophones se débrouillent bien. C'est vrai qu'ils ont des problèmes aussi, hein, les lusophones. Attention, hein, avec la police angolaise là, qui tue les jeunes quand ils sont tout seuls. Là, je suis un peu au courant, mais bon, les Angolais, les anglophones, c'est marrant, ils arrivent à se développer. C'est même eux qui arrivent mieux à se développer. Mais pourquoi pas les francophones? Il y a un problème, pourquoi que les francophones ne sont pas. Là, en ce moment, j'ai vu une petite Sénégalaise que j'aime beaucoup, hein, j'apprécie, je pense même acheter son livre. Parce que franchement, Fatou Diané, hein,
Franchement, je risque d'acheter son livre parce que j'aime beaucoup son livre. Et en fin de compte, ce qu'elle dit, c'est pas du tout faux. Voilà. Bref, pour l'armée française, les ordres, bah, ils sont vraiment des moutons, quoi. Parce qu'ils le savent qu'il n'y a rien. Il n'y a rien du tout dans cet endroit-là. On va pas dire qu'il y a des caillasses, non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que aller avec de l'armée, de l'artillerie lourde, avec du matériel très très lourd, du char d'assaut, des véhicules, même je me demande qu'est-ce qu'ils vont foutre avec des missiles, parce qu'il y a même des missiles qui sont là-dedans. Je dis, il y a un problème. De l'armée lourde, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de détruire encore quelque chose? Il va y avoir un autre génocide dans pas longtemps. Pour accuser qui? Quoi? On ne sait pas. Alors à la SAM, M. Wadram Ouattara, il a été élu par le peuple français. Dis plutôt, il a été élu par l'administration française. Il n'a pas été élu par les Ivoiriens eux-mêmes. Parce que ça a été vraiment élu. Vous savez que c'est les Ivoiriens. Eh bien, je vais vous dire quelque chose, moi je vais vous dire sur vous, sur vos présidents à vous, parce qu'on va être un peu direct. Vous savez que M. Guillaume Soro est un lèche-cul du franc-maçon. Du franc-maçon. Ben oui, Guillaume Soro, M. Alassane Ouattara, j'en cite, si vous voulez, tout ça, là, c'est la même merde. Mais oui, c'est des francs-maçons. Donc, oui, je confirme, c'est des francs-maçons. Mais des esclaves de francs-maçons, pour votre information. Le mot esclave qui est à côté. C'est un joli mot, on dit esclave. Mais bon, ça me fait rigoler. On nous dit qu'il n'y aura plus d'esclaves, mais il y a toujours des esclaves. Parce que des esclaves qui se font commander par des cons. Donc, ouais. Oui, bien sûr. Ouais, je confirme. Alors, l'armée française, si elle est intelligente, alors elle a pu dire, mais attendez, qu'est-ce qu'on va attaquer? Ah non, vous allez là-bas parce qu'il faut aller là-bas. C'est tout. On dit, mais on va attaquer quoi? On va attaquer quoi? Quelle population? Eh ben non, on va attaquer la population du Nord, comme d'habitude. Donc voilà. Il faut vous réveiller les Ivoiriens, à vous de vous lever maintenant. C'est à vous de lever, vous ne devez pas attendre les Blancs. Non, non, il ne faut pas attendre les Français. Ni quel que ce soit, c'est à vous de vous défendre. Faites comme les Zoulous. Faites comme les Zoulous, comment ils sont battus avec les Anglais en l'an 1880 et quelque chose. Ils ont réussi à faire partir les Européens anglais. Après une certaine année, bien sûr, il y a eu une petite merde qui est arrivée. Mais bon, le problème, c'est que les Zoulous, ils sont battus. Ils sont allés jusqu'à la mort, on va dire. Mais à vous, les Ivoiriens, de vous lever le cul, de vous dire « Merde, on en a marre des petits cons comme ça !» C'est à vous, les Ivoiriens, de faire ça. C'est comme nous, les Européens, on est obligés de se lever, de se taper dessus pour faire les choses convenablement. Le problème, c'est qu'il y a des nuls dans cette histoire, et des vrais nuls, des gros nuls, des très gros nuls, des très très gros nuls, parce qu'ils vont faire, ils ont les yeux fermés. Ils ne voient pas qu'en ce moment, il y a des nouvelles lois qui sont en train de se créer, qui ne servent à rien. La pédophilie va être acceptée en Europe, croyez-moi. En France, c'est ce qui va arriver. Parce que M. Macron est un franc-maçon, comme M. Hollande, M. Sarkozy. Donc voilà, on ne va pas citer tout le monde, parce qu'on en a, on a un beau cahier à raconter. Donc voilà, il faut vous battre. Voilà, les Ivoiriens, il faut vous battre. Pas penser qu'aux armes, attention, ouais, oh. Faut se battre carré là-dedans. Vous trouvez que vous êtes des gens capables à gérer votre pays vous-même. Sans. Alors, une chose, oui, il faut supprimer le franc CFA. Ça, je suis avec vous. C'est qu'il faut, c'est qu'il faut vraiment supprimer. Alassane vous a dit qu'il vous a promis de supprimer le franc CFA. Tiens, mon cul. Alors, là, c'est vraiment mon cul. Ils ne vont pas vous supprimer. Donc, je souhaite la libération de M. Laurent Gbagbo. J'espère.
parce que normalement c'est prévu, c'est officiel en plus. Et au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas. Parce que, vous savez, la CPI, Cour internationale pénale, Cour pénale internationale. Vous savez ce qu'ils ont, les Cours internationales pénales ? Ils ont deux rames, ils ont un bateau, ou une barque, on va dire. Une barque. Allez, on rame, on rame. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut de vous. Alors, maintenant, vous, les Africains, vous, les Ivoiriens, vous, les Sénégalais, vous, les Maliens, réveillez-vous, s'il vous plaît. Par contre, il y a des pays qui sont développés. Ils sont africains, merde. Réveillez-vous, votre cul. Allez, commencez. Commencez à vous réveiller. Il faut vous réveiller, c'est tout ce que je vous demande. Mais l'armée française, il faut qu'elle arrête de cette connerie. Parce qu'elle ne sert à rien de faire des choses comme ça. Tout simplement. Alors, oui, pour une information un peu importante, oui, je confirme que Boko Haram, il est bien financé par l'Union européenne. C'est pas comme une autre auditrice, une autre celle d'Internet, une autre personne d'Internet qui a sorti que les armes ont été laissées dans le coin. Non, 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 non. Hey, faut pas raconter n'importe quoi. Faut dire la vérité. C'est beaucoup mieux de dire la vérité que de dire des pipeaux. Voilà. Pour moi, il y a des choses qui sont admissibles à faire, mais bon, c'est toujours comme ça. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Pour l'armée française, moi, il faut qu'elle se retire. C'est tout. Monsieur Laurent Gbagbo a demandé de se retirer cette armée. Elle n'a pas été faite parce que c'est à la femme qui est passée. Normalement, c'était prévu comme ça. Mais bon, c'est vrai. Un président qui est là à rien foutre, ça ne vaut rien. Le mec, il est resté, je parle de monsieur Alassane Ouattara, il est resté, il a fait soi-disant, il a fait déjà, disons, du progrès dans la Côte d'Ivoire, tiens mon cul, il y a eu pont qui s'est cassé la gueule, il y a plein de trucs qui s'est cassé la gueule, et c'est pas correct. Les routes ont été hyper mal entretenues, et je continue. Alors, pour les citoyens ivoiriens, on leur enlève leur maison. On enlève leur maison. On demande de la dégager. Ils n'ont pas de moyens, mais ils font ce que vous... Allez, il faut que vous achetiez une maison. Ou louer une maison. Avec quel argent ils vont louer? Ils essayent déjà de vivre par leurs moyens. Et ça, c'est pas normal. Non, monsieur Alassane Ouattara, c'est une merde. Et ça, qu'ils l'ont voté, mettez bien là-dessus. Vous êtes bien niqué là-dedans. Oui, vous êtes bien fait niquer. Je peux vous le confirmer. Vous êtes bien fait monter là-dessus. Et vous pleurez, en plus, ceux qui l'ont voté. C'est ça le pire. Que les autres, ils n'ont pas pleuré. Ils ont pleuré pour de vrai. Parce que c'est pas normal. Voilà. Eh ben, oui, l'armée française, elle fout le bordel. Et le gros bordel de chez gros bordel. Mais de très gros bordel. Alors, faut qu'elle cesse. Bien sûr, elle est commandée par notre cher ami Élysée. Vous savez, il y a un Ivoirien et un Sénégalais qui étaient OK pour que la France gère l'Afrique en indépendance. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que alors les parts des marchés, par exemple, je prends les bananes, le cacao, le pétrole, etc. Normalement, on dit 50-50. À la base, c'est 50-50 pour être égaux, pour que ça puisse rentrer. Je ne vais pas parler des présidents qui mettent de l'argent de côté, qui ont l'argent du peuple, comme on dit. Non, 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 je ne vais pas parler de ça. Après, je vais revenir un peu derrière. 50-50. Et c'est marrant. C'est marrant. Écoutez bien ce qu'elle veut, la France. 20% pour la Côte d'Ivoire, par exemple, et 80% pour la France. Pour certains Français, c'est normal. Ben, vous fermez votre grande gueule, c'est 20% pour la France, et tout le reste était pour la Côte d'Ivoire. Là, j'aurais compris. Parce que oui, ils doivent donner une partie. Et pour votre information, mes chers amis, la Côte d'Ivoire, elle n'est pas en difficulté financière, elle n'a jamais été en dette.
C'est nous qui endettons. Et encore, on n'est pas en dette du tout. Parce que la France, elle n'est pas en dette du tout. Non. La France, elle n'est pas en dette. La Côte d'Ivoire, elle n'est pas en dette. Et je cite tout ce que vous voulez, elle n'est pas en dette. Les pays qui sont en dette, il y en a un. Et un grand pays que tout le monde connaît, c'est la Grèce. Elle, elle a la plus grosse dette du monde. Et encore, ce pays est toujours dans l'Union européenne. Elle a demandé je ne sais combien de millions d'euros à l'Union européenne. Combien de millions? Et encore, Sarkozy n'a même pas demandé, quand c'était mon monsieur était au gouvernement, n'a même pas demandé que la Grèce soit en tutelle. Pour quelle raison? Pourquoi la Grèce n'est pas en tutelle et le Portugal il est en tutelle? Il y a quelque chose qui colle pas chez vous. Dans le gouvernement, il y a quelque chose qui colle pas. Dans le gouvernement précédent, comme maintenant, hein. Il y a quelque chose qui colle pas. Pourtant, la dette à nous, elle est en train de finir à la base. Mais bon, non, on est toujours en tutelle. Oui, le Portugal est en tutelle. Oui, je peux vous informer, oui, le Portugal est en tutelle. Mais la Grèce, je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas en tutelle. Et pourtant, elle a fait le plus gros problème financier au monde. Oui, vous avez bien entendu, le plus gros dette financière au monde. Il n'y en a pas d'autre. Je ne compte pas les Américains. Parce que les Américains, ça ne sert à rien. Comment ils peuvent être en dette? Ils ne peuvent même pas être en dette. Parce qu'ils ont le pétrole chez eux. D'accord, ils vont chercher du pétrole en Irak, en Afghanistan, tout ça. Là. Oui, ça oui. Mais le problème, c'est que le pétrole, ils en ont aux États-Unis. Donc ils ne peuvent pas être en dette. Ça, c'est pour vous faire monter là-dedans. Ils sont en dette. Mais en réalité, ils n'ont jamais été en dette. Donc alors, on revient sur l'armée française. Qu'est-ce qu'elle a à foutre là-bas? Rien du tout, à part tuer les gens. Des civils qui n'ont pas d'armes. Bien sûr, on tue, on n'a rien vu. Ah non, non, mais on s'est trompé, on croyait que c'était c'était l'ennemi. Quel ennemi qu'ils avaient? Parce qu'on leur a demandé un ordre de tirer et tu fermes ta gueule. Voilà. Voilà ce qui se passe. Faut arrêter les gens, faut arrêter les Français là, de ne pas rien comprendre. Faut vous réveiller. Oui, faut vous réveiller. Les Ivoiriens, faut vous réveiller. Les Français, faut vous réveiller. Voilà, point barre. Il faut qu'on se réveille. Parce qu'avec tout ce qui ne va pas là en ce moment, on est en train de se faire manipuler, et manipuler, remanipuler, remanipuler, remanipuler. Vous adorez ça. Et vous adorez être manipulé. Voilà. Donc, tout simple, ce que je vais dire, voilà, ce que je voulais dire. En gros, pour moi, personnellement, l'armée française, elle ne doit pas être là-bas. Point barre. Qu'elle doit s'occuper de son petit cul, dont un vrai problème. C'est tout. Qu'elle est là pour régler un vrai problème. Voyez? Et donc ça, il faut le dire. Il faut le dire. Parce que c'est pas normal. Pourquoi prendre les gens pour des cons et qu'en réalité, on n'est pas cons. Alors, que vous soyez français, que vous soyez sénégalais, ivoirien, malien, etc., faut vous comprendre que c'est à vous de défendre votre pays. Les présidents, tout ça, c'est du cancana ou de tout ce que vous voulez. Les cacahuètes et toi, tu vas arrêter de rouler, comme eux là. Non, sérieusement. Il faut réfléchir que la logique, dans notre monde civilisé, il faut arrêter de se faire manipuler par des cons. Des cons qui sont au pouvoir, qui ont plus d'argent que vous, qui se prennent pour qui ne sont pas, et en plus, on vous promet la lune. Et vous l'avez eu la lune? Même moi, je ne l'ai même pas eu la lune. Allez, arrêtez. C'est bon, réveillez-vous. Il faut vous réveiller. Maintenant, je dis à mes chers Africains, comprenez aujourd'hui qu'il faut vous réveiller. Vous n'êtes plus en 1700, en 1500, en 1300. Vous n'êtes plus dans cette époque-là. C'est vous, vous avez les ingénieurs, vous avez les techniciens, vous avez même inventé le premier téléphone portable, qui veut dire sans fil, hein, faut le dire, c'est le tam-tam, et ça, c'est la pure vérité. Vous l'avez créé tout ça. En Afrique, vous êtes les premiers à sortir, sans dire le truc. Les Indiens, ils ont fait la même chose, ils ont fait le même système, avec le feu, et ils ont fait en communication avec le feu. C'est comme ça, et ils ont inventé le morse, tout simplement.
Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire? Des pays qui vous avez évolué depuis que ce temps, c'est vous qui voulez rester comme des cons. Faut vous réveiller, la jeunesse africaine. Faut vous réveiller. L'armée française, elle doit être plus sur le territoire français, ivoirien. C'est tout. Elle doit partir parce qu'elle est là pour faire du génocide. Et je ne parle pas que de l'armée française. Il faut que l'ONU dégage de cette merde de pays. Parce que la dictature, c'est vous-même qui l'a faite. Voilà. Ça, c'est mes mots personnels. Donc, à vous de comprendre si vous voulez. Vous pouvez mettre même un commentaire, qu'est-ce que vous en pensez, tout ça. Pour ceux qui comprennent, parce que je ne parle pas des autres zigotos, on s'en fout de ceux-là. Voilà. Réveillez-vous, les Africains. À vous de réveiller, à vous de prendre votre pouvoir. À vous de prendre vos mains par le corps et point barre. Faites comme les Zoulous. C'est la meilleure chose qu'il faut faire. Il faut que nous aussi, on fait la même chose. Parce que ça ne va pas du tout. On est dans une dictature totale dans le monde entier. Et je ne parle pas que de l'Afrique. Je parle vraiment partout. Voilà. Bon, allez. Je vous remercie. Cette vidéo, je vais la partager. Hein, faut la partager aussi. Et moi, je vais la partager à un endroit précis que j'ai promis à quelqu'un de le partager. Je vous remercie. À plus. En même temps, je rigole, mais bon, faut dire la vérité. Bye bye.